Haïti Aviation, un avion écrasé à Christophe Chanel dans la commune de Carrefour. L'appareil, dont les propriétaires sont les Kaoli et Fougan, est-il couvert par une assurance internationale? Bon, il faut que je dise que hier, et en terminant l'émission de Martin Débat qui finit très tard, parce que nous avons une question, la vie chaudière qui finit pratiquement vers 3h, 4h de l'après-midi. Et puis, c'est un ami donc, de l'émission Martin Débat, Zafé Fomi, qui est l'émission de l'Ukolésir. Gros avion crasé Kafou. Bon, la Kali. Relais a eu, débarqué donc dans Christophe Chanel. Gros avion qui saute tombé. Je me dis, oh, oui, Gontier avion qui saute tombé. Donc, dans Kafou. Et c'est depuis le samedi, les a eu. Et puis, Zahir était gagné, même, il couché sous dos, deux pieds dans l'air. Il a regardé la télévision. Je me dis, tu crois quoi un truc tombé bon la cage, j'ai dit qui bosse là, monsieur Christophe Chanel, il dit sois-y là, et puis rapide Esaïe débarqué, il est arrivé Christophe Chanel, l'autre arrivé sorti ouais Esaïe. Eh ben là moi arrivé et moi été constaté et cadavre plusieurs monde et plus passé 4 monde, plus un grand monde qui était en dans avion et dans avion et ça crée deux avions, ça crée deux avions. Ça crée deux avions. 4 monde à terre et puis tes grand monde en dans avion. Et puis, carcasse avion et papillé un peu partout. Très bien. Donc, en pile monde. Il y a en pile monde. Mais la police est sur les lieux. Et puis, pendant là. Et puis, au mairie Carrefour, tu as pris le voyer. Et pompier. Et c'est là, on a parlé de questions pompiers très importantes. Très important. Très important. Pompier. Très important. OK. Harold Tunier, continuez, faire. Harold Tunier, pas découragé, continuez de travailler pour pays. Continuez pour don, pour questions pompiers. Très bien. Continuez de travailler. Et pompiers arrivé et ils ont rafraîchi moteur avion qui était étalé à terre. Et parce que, dans moment, même tu constaté un jeune garçon qui était dans la machine de la police, là, menotté, qui s'est gagné. Selon l'information, il y a un premier élément d'information. Monsieur t'a tenté et tenté prion et mallette. Et ça me dit il y a des monde qui t'est venu. C'était monsieur ça vole les mallette. Pour mallette. Et puis venir là yo qui monsieur yo marre monsieur. Je marre moi monsieur concrab. Donc non mon mouri distress ça. Donc il a dérivé. Il prend bloc. Il a dérivé. M'bat gitan ven aviateur selon Jean Mounou Tabdia, yo te gitan transporté aviateur là aller l'hôpital Dikini. Donc malheureusement selon dernier élément d'information qui nous vient, Emel Tevin tombé et succombé par blessure. Et commissaire police là Pierre Bellamy samedi qui était démerdé davantage avec toute équipe li et backup Garia et tout l'autre policier yo qui était présent sur lieu là, et me tapé et mandé moun yo fait back. Alors haïtien pas gagné culture ça, yo pensé que yo ka rentré son scène. C'est un goût en Afrique, mon frère, ouais. Oui. On tient à tomber tout le monde porter boue. Porter boue. Alors que le carnaval, oui. Il était éclaté sur. Reste le gars éclaté sur. Son plaisir, on croise une équipe, mon gars dit mais ça il faut mal regarder. Mais pas ma vie. Mais mon qui va chez moi avion dans vieux non. Mais oui. C'est vrai ça, oui, c'est vrai. Mon qui va chez moi avion le matin dans tout de deux. Normal, c'est avion. C'est le déplacer seulement. Mais il y a mon combien haïtien vous dire vraiment qui va déplacer. C'est normal. Quel monde va chez avion. Oui. Mettez là autant des avions, avions, mais tout le monde va regarder. Il a regardé ça comme avion. En pile, monde débarqué. Ça qui vient avec téléphone, a fait photo, a fait vidéo. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ton scène enragé, le coup des yeux. Donc c'est ton. Son plaisir. Bon, regardez, c'est un moment de plaisir à un certain niveau pour une série de monde. Ok. Cap prend photo, cap prend vidéo. Cap mettez quoi sur côté pour prendre vidéo. Un reportage. Un reportage. Oui, des journalistes improvisés, des journalistes citoyens. Ah oui, c'est des journalistes citoyens et puis qui a fait reportage. Qui a fait reportage. Et vous pouvez le joindre, il y a des citoyens qui permettent, qui a osé le droit, pour mettre des voix sur le réseau, sous base que c'est un monsieur Izoyo qui t'a tiré sur l'avion. Mais ça ne va pas être comme ça, ok? Ok, hop. Et avion chercher pas de balle sur lui parce que peuple haïtien tout le monde qui dans le monde entier pas de balle comme ça donc pas de aucun impact balle sur avion premier à première vue pas de jamais rien que sur baille et impact balle jamais pas le pas que mon capable balle comme ça donc avion tombé OK il percuté une et machine selon premier élément d'information bien il percute une machine qui t'a porté transporter et gazeuse toute gazeuse a été allée à terre et il y a trois monde qui blessé par rapport à l'autre monde qui mourit. OK. Donc mais monde qui mourit c'est dans avion qui mourit. Très bien. OK. Donc il faut pas que je fasse moto. Je dis que je fais moto. Yeah. Et pas si monsieur mourit. Mais je vais vous dire à l'hôpital la veille, pas si mourit. Donc mais alors faut nous dire Isaïe et avion alors et monsieur t'a essayé
descendre avion, c'est sous route là même. C'est sous route là, t'as pas pour descendre. Oui, c'est sous route rail là. Oui, route rail là. C'est sous route rail là. C'est ça que fait lui rencontrer la machine. Oui, il rencontre la machine. Alors, c'est dans le moment où on ne s'il pas croiser avec la machine, on parti frapper dans le poteau électrique, on parti deux ailes. Une aile frappé avec nos machines et l'autre aile qui a frappé dans le poteau. Tout pas compatible. Route là, pas compatible. Oui, route là, pas compatible. Donc, quand même, c'est une expérience quand même, probablement. Et il était capable de trouver un avion pour le tomber. Et puis il panique, donc il est comme pilote. Ouais, quand même. Parce que je dis la chose, il était capable de choisir, voilà, mais meilleur. Non, mais qui trouve rien. C'est ça, le directeur général et Ofnac l'a dit. Maintenant, on allait, madame, monsieur, analyser sur cette question. Ok. Et. Ça passe hier, dans Christophe Chanel, la permette de tout. Il y a un paquet de monde indigné. Il interpelle un paquet de monde. Parce que justement. Ingénieur qui mourit, donc non, accident ça, écoutez, son valeur sûre pour Jacques Mel. Moun qui mourit, donc c'est des citoyens, donc qui t'a parlé, Jacques Mel, madame, monsieur. Qui choisit, prend avion, parce que Matissan, bah, il problème, madame, monsieur. Les graveries, nous prenons presque un an la rue, madame, monsieur. L'État haïtien, le gouvernement haïtien perd du contrôle, Martissan. Bah, route nationale, là. Et c'est la route, et son route nationale, madame, monsieur, qui relie pratiquement 5 départements. Ça a grave et le dur en pile. Ce qui est bizarre, c'est que, ou par contre, qui l'on a sorti la donne. Oh, ouais, et même policier, même la police nationale d'Haïti, qui gagne des convois qui aller dans le sud, il est obligé de passer par derrière, donc éviter zone Martissan. Donc, c'est une situation vraiment, madame, monsieur, donc, qui est grave. La compétence qu'on a sorti là-dedans. Ok. Je veux dire, à tout, il faut comprendre tout que ce deuxième incident qui passait dans le pays il y a 10 ans, parce que leur prend avion au cas là que la population boule pour question de sécurité. Yeah. Et puis, il y a des avions qui crassent pratiquement. Qui donc, Kafou. Qui a un point commun. Christophe Chanel, qui a un point commun qui c'est route nationale. Qui bloqué. Qui bloqué, madame, monsieur. Matissan, qui bloqué, madame, monsieur. Que l'État fait bandit cadeau. Ça, très important. Que l'État fait bandit cadeau. On dit le Jean Lié. Parce que l'État a une responsabilité pour permettre que le monde circule dans le pays. Correct. Maintenant, qui est-ce qui a victime? C'est le peuple haïtien qui a victime. C'est citoyen et citoyen de ce pays qui a victime. Mais je vous dis à tout. Écoutez, n'est-ce qui, soi-disant, entre guillemets, qui a profité de problèmes sans mentir sans plus faire comme Bayo. Écoutez, je dis à moi que la nature montrez-nous que personne n'est épargné. Parce que l'on regarde l'avion qui brûle au Kaila pour qu'est-ce que c'était pour une mission. Est-ce que là ouais. Maintenant, regardez l'avion, ça, je dis à la, c'est pour Kaouli avec Foucan. Pourquoi ça me dit Kaouli à Foucan? Parce que c'est deux mondes qui fait business ensemble. Qui n'ont business aviation ensemble. Ouais, ouais. Ou pas Kaouli tirer un sans qu'on va mettre l'autre là. Alors, yeah. Okay? Alors Foucan, c'est pas les mêmes qui est enregistré sous. Oui, c'est Nicolas Kaouli. Nicolas Kaouli, mais c'est la même équipe. Ils ont gagné business ensemble. Ils ont gagné business ensemble comme ça. Mais avion, ça, c'est pour Nicolas Kaouli. Kaouli. Ok, mais c'est le même. Ok. Maintenant, la question aujourd'hui, on a parlé d'un avion. Le domaine de l'aviation, madame, monsieur, l'international. Mm-hmm. Le régi par des normes internationales. Mais pas ici, regardez chez nous. Je dis à qui est-ce qui parle dédommager la famille Mounzok qui mourir. Bah, il était cloche. Est-ce que l'avion ça a assurance internationale? Ou sur le deuxième avion, sur route Jacques Mel qui tombait. Gagne qui était tombé, Léogan. Est-ce que ça gagne? Ça nucléaire. Non, le gagne, non. Il n'y a pas gagne, non. C'est année ça. Il n'y a pas gagne, non. C'était année ça, justement. Pour même question, bagaille Matissan et qui bloquait question insécurité. Ça, très important. Est-ce que l'avion ça, ok, que Nicolas Kaouli, ses propriétaires, est-ce que l'avion ça a gagné assurance? Est-ce que l'assure? Parce que, moun qui mourit là, qui est-ce qui va le dédommager? Compagnie, il y a un problème. Comme c'est pas sous ça. Comme c'est pas en ligne. Côté avocat pays. Côté avocat pays. Selon ça, c'est notre directeur. Comment il est en ligne? Selon ça, directeur l'a dit maintenant, il dit que ce n'est pas une ligne aérienne qui est engagée à avion. C'est un avion privé. Ah, mais c'est ça, me dit. Et c'est là, m'a demandé. Mais c'est un avion privé. Depuis ça, avion, mon frère. Depuis ce cas, il y a un appareil là. Qui découvre. Soit avion
faut qu'il y ait assurance couverture internationale. International. Et encore d'accord. Plus même pour les propriétaires, parce que si le propriétaire lui-même il y a un avion privé, il faut qu'il y ait assurance si l'avion monte. Même si on achète un avion, même si on achète une machine, il faut qu'il y ait assurance. Ok. Maintenant, je dis à la, est-ce que l'avion est assuré? Est-ce que famille Mounsao qui mourait là, il n'est pas capable de dédommager? Non. Allez, la première question. Non. Comment nommer matin? Parce que avion sont avion privé. That's it. Maintenant, si c'est un avion commercial, l'État a une assurance qu'il doit gagner. Non, mais quel que soit avion permanent, il faut qu'il y ait une assurance internationale. Quel que soit avion, mais pour nous, oui. Faut qu'il y ait une assurance. Mais si il y a assurance, Louko, la bien. Ah, c'est pas blé, pas blé, permanent. Nous n'avons pas école de pilotage ici en Haïti. Quel que soit n'est qui a un avion en Haïti, qui son avion qui a desservi, en fait, qui soit avion commercial, de ligne commerciale, qui soit avion privé, son pilote étranger pour gagner. Et pilote étranger, pour venir en Haïti là, pour le voler avec un appareil, faut que l'assurer que il y a assurance qu'il a. Jusqu'à présent, jusqu'à présent. Et tout n'est qui a un avion ici en Haïti. Moi, je suis une victime. Ok? Et tout n'est qui a un avion en Haïti, madame, monsieur. Quel que soit, que ce soit avion privé ou bien avion de ligne commerciale, il faut qu'il y ait une assurance. Oui, même si il y a une différence. Ouais. Ah, oui. Alors, moi-même, je veux établir une différence là, pour vous. Différence là, c'est un avion privé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune compagnie qui a une assurance sur un avion privé. Ou a une deal, c'est la dot, ou a une deal que vous faites business. En bachal, pays ou l'en pas réalisé en yé. Et ça me dit là, oui, ou pas cadrer ces compagnies ça. Parce que compagnie n'a pas contre le trafic là. Exemple maintenant, même. Son bagay wong. Konya, konya la, moun ki mouri nan avion, doit sous l'état haïtien. C'est la justice qui prend les propriétaires, mais ce n'est pas compagnie assurance là pour répondre à ça. Non, c'est pas ça me dit, Non, mais ça mais vous voulez établir la question. Oui, parce que la pression pour la correcte. Avion, parce que bagaille là, bagaille ça son bagaille. Qui a fait tout le temps. Alors, nous tout connaît. N'a pas problème, madame, monsieur. Ça son bagaille qui a fait tout le temps. Bon, mais précision pour vous. Selon déclaration du directeur Ofnek Lamante, il dit que ça son avion privé et que Ofnek pas reconnaître qui doit faire vol commercial. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé pour faire vol commercial. Comment il peut faire? Monsieur Evoque, Antenne de formation. Déjà dit ça. Monsieur, en termes de formation. Louko, Ofnak, mettez papier dehors. Faut que tu as dit que tu as pris mesure contre les gens qui ont un avion privé qui a broté les gens qui ont fait trafic. Écoutez, vous mettez papier dehors pour te condamner ça. Et pourtant, c'était bluff. Parce que bagay la toujours fait. Tout le monde connaît la fête. Bon, il y a des gens même qui sont arrivés. Il y a presque prié nègre avion privé. Faut un vol, non. Mais mal, non. Donc, son bagay qui a fait entre eux. Il y a fait abîme au pays parce que pas de responsable. C'est dans l'aéro-gala que l'avion descend. C'est bien. C'est là où descend. Ok, bon, bon, précision, madame, monsieur. Bon, mettez une petite précision pour nous. Nous sommes ici en émission matin débat. Moi t'ai posé problème de licence avion d'où gagne. Bon affaire de licence de HN. De HN parce que avion qui vole là dans pays là, gon licence de type HN. Ouais, tout avion c'est HN. Ouais. Et ben bon bataille ça immatriculé HH- voilà. Et gon bataille H. Gon bataille na question aviation dans pays là. Nous t'ai posé ça déjà, question ça déjà dans matin débat. Pour affaire de licence. Gon affaire de licence de type HH. OK ça. HH ou bien HN. HN dans l'international. HN dans l'ibor possibilité pour voler soit national. International ou bien HH là pour voler et seulement en d'un pays. Donc, en fait, en d'un bataille, ça permet de la toute, ou vin jouen, yon guerre d'influence. De na qui gen l'argent,
des nèg comme Nado qui gagne monopole dans pays là et ça arrivé avec plusieurs autres monde qui gagne avion dans pays là des jeunes garçons OK qui pas capable qui entraîne en bataille ça avec Kofnak sous affaire licence ça Ismaël on font point Ismaël font tu donne et moi mon déjà sur lui là il faut tu OK Ismaël on a fait c'est nèg que t'as fait faire on mauvais pour passer et là t'as fait faire Ismaël est sous défense le compte ça l'autre affaire yo tout connaît là mon dans ligne là je mets tête ensemble il y a pas faire Ismaël Ismaël le téléphone je dois compris ça pas gain longtemps. Yon descend pas de paix ou raché. Ouais, c'est sous bourrette et tape potel. Et pas possible. Donc maintenant, la question, madame, monsieur. Bourrette tape potel. Qui a si parlé de marché famille? Nous allons faire contact. Nous allons parler là avec yon nan moun famille qui gagne. Donc yon moun qui gagne yon nan moun qui est victime hier dans l'avion. Et bonjour, bonjour. Et mon frère présente. Est-ce qu'on gagne moun qui est mouru dans l'avion hier là? Dans l'accident hier là? M'a salué le coup de dire, m'a salué. Votre animateur émission Matin Débat et m'a salué tout fidèle auditeur et émission Matin Débat. Alors, je vais vous présenter d'abord c'est Jacques Junior et Chambata, c'est cousin Christelle Fontinus, c'est une 20 filles qui était dans l'avion, qui est victime de crash avion hier mercredi après-midi sur la route de Carrefour en passant par les rails. Ok, quelle information vous avez sur. Et ce vol là, est-ce que Christelle c'est un billet acheté, c'est PLP ou bien son roulis de Bali? Tout à fait, tout à fait. Christelle Fontilus a vu Canada. Christelle est rentrée hier et de là-bas étant, il fait contact avec une aérienne, non, il fait une réservation normale. Ah bon? Il fait une réservation normale, il paye normal pour lui rentrer sous vol là pour aller Jacmel. Ah ouais? Ok? Donc, c'est pas question de rouler d'avion, qu'est-ce que ça veut dire? Si mon n'a payé un billet d'avion pour sortir du Canada, c'est pas un avion pas qu'à payer pour la Jacmel. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, pour Christelle prend une ligne commerciale, de toute l'autre ligne. Oui. Tout à fait. Oui. C'est ça qui fait ma rien. Je suis bien étonné. Les matins des directeurs au FNAC là, qui a dit que l'avion n'a pas un statut et avion commercial, son avion privé. Communication va clair, souvent faut se déplacer le WDP et puis bon parce que communication va clair. On va déplacer où là? Oui, m'a déplacé. Allô? Ok, c'est mieux maintenant, allez, oui. Oui, ça vient étonner ma petite directeur qui dit que nous pas au courant de pas gagner un statut Communication va bon du tout. Communication va bon du tout. Fonti chicken go toujours. Fonti chicken go. Allô? Communication va. Il y a un canal là. Keep compagnie, mes amis. J'ai un peu. Ah, pas bon, mais. Écoutez, vous coupez. Là, retournez encore. Pas possible. Où là, toujours? Tout le monde la blâme, allô? Ah, ok. Oui, on a le nom, oui. Bambre l'encore. Mes messages à qui t'as passé? Bambre l'encore. Mes messages à qui t'as passé? Donc, si vous m'en plus que l'abdi. Non, mais. Ah oui, c'est ça, c'est très important. Oui, messages à passé. C'est que Damna, lui-même, de Canada étant, il paye. Depuis Canada, il paye. Non, son ligne commerciale. Il paye ici, oui. Oui. Oui, oui, à nous essayer là, oui. Oui, alors, est-ce que AAN est pas lui-même qui baille, qui permet que. Ofnak, il y a AAN. Est-ce que c'est pas AAN qui baille permission pour voler? Oui, c'est AAN, oui. AAN qui baille permission pour voler. Ça veut dire. C'est AAN à partir de tout le contrôle là qui baille donc permission pour voler. Donc, c'est AAN qui est responsable que y a un avion privé à faire vol commercial. AAN est responsable d'où? Ah oui. Ah oui. Parce que Ofnak lui-même, il dit que c'est avion ça c'est privé. C'est il pas grand ligne aérienne côté que si pas accepté pour le voler, il pas voler. Non, et pas AAN qui bail permis qui permet mais il gon responsable de Ofnak depuis pas accepté. Ni AAN ni Ofnak gon responsable de ça. On termine avec Jean pour pas avancer avec canal. Oui, il faut terminer pour nous. Oui. Oui. Comme je suis bien étonné de ce que tu as dit, c'est que nous ne connaissons pas si l'avion a un guichet pour faire une transaction de vente de billets et l'avion n'a pas de statut avion commercial. Et puis, maintenant, le directeur ça pas supposé ne pas statut parce qu'on pas dit, parce que soit on dirige une boîte, pas même des contrôles, ça ne peut pas dire. Donc, le Premier ministre,
et sa premier ministre dit que la fixe des responsabilités, on comprend le premier ministre, il dit la fixe des responsabilités, mais il faut noter un matin, hein, directeur AAN a été en mise à disponibilité pour le directeur en mise à disponibilité pour le mener l'enquête là, oui. En attendant s'il coupable ou pas, s'il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de responsabilité, il a pris un job libre, ok? Donc, jusqu'à présent, le premier ministre a fixé la responsabilité et directeur OFNACSA a l'in poste toujours. Est-ce qu'on comprend? Donc, ça veut dire, ou imaginons Louko Désir, et nous demandons au premier ministre pour retirer le costume premier ministre sous lit, pour le mettre dans le pot, papa Timoun, qui sort du Canada, qui fait des milliers de kilomètres, qui arrive à Haïti, qui est obligé, il est forcé pour le prendre avion, pour le traverser, pour la Jacmel, côté que le TK passe à terre, bandit, armé, fait la loi. Ok? Autorité n'a pas dit rien, côté il perdu la ville. C'était un petit premier ministre, un proche premier ministre qui était victime comme ça, il n'est pas premier ministre, comment il a réagi après un drame comme ça. Okay. Alors, sous qui non il a acheté un petit ticket? Parce que c'est sûr que s'il a acheté un ticket, il a vendu un ticket pour avion ça. Comment il a fait opération et acheté un billet? On va connaître. Sur site internet ou bien est-ce que l'INAINER a fait un nom? L'INAINER a fait un nom? Pardon? Ok, est-ce que c'est nos contrôles à chez Etiquet ou bien c'est sur internet? Est-ce que compagnie aérienne a dit non? Et de là-bas étant, avion c'est avion et Kaouli. De oui. Là-bas étant, il fait contact avec monde qui est responsable aérienne pour Kaouli dans l'aéroport. C'est comme ça qu'a fait. Il fait contact là et puis il paye pour billet d'avion. C'est comme ça qu'a fait. Eh bien, ça nous compte faire nous-mêmes, famille. Hein? Non, écoutez, famille, nous, le cabinet d'avocats, nous étant mobilisé. Depuis hier, nous avons un cabinet Jean Bata, Mathieu Nofegen Jean Bata, depuis hier, qui est lieu avec UPA, qui t'a recueilli les premières informations pour les suites nécessaires, pour les suites légales. Pour nous faire ce que nous devons. Très bien. Merci un peu le courage, Kébéla, fais-le connaître, ok? Merci. D'accord, Kébéla. Alors, si ça va dire, madame, monsieur, oui. Que nous-mêmes qui séparons, écoutez, faut nous faire action en justice parce que, écoutez, l'étape trop facile, mais maintenant, à tout. Écoutez, l'étape trop facile. Oui, ça fait, et puis ça s'arrête non, là. Non, et puis ça s'arrête là. Non. Écoutez, mais c'est même Jean pour question, Jacques, avion qui décrasé, Léo. Casé, oui. Donc, monsieur, moi-même, mes positions, pas me soubaille, ça, on position claire. Puis, gars, nous, on position comme si nous étonnés. Alors la précision, non, tout ça qui a rapport au permanent d'attente, à question, aviation, vol, c'est OFNAC. OFNAC. Mais question OFNAC. Question commercialisation, question est-ce que ça a privé, est-ce que c'est AAN ou bien oui, alors OFNAC, c'est OFNAC au-dessus de tout ça. Oui, ouais. C'est lui-même. Écoutez, c'est lui-même. S'il va avoir accès pour sous tamac là ou pas gain droit là. Pas montrer que nous pas ici. Pas montrer d'ailleurs ces journalistes nous, pas montrer dans bagaille ça faut que tu as dit nous pas de connaît ou bien son bagay nous c'est non son bagay qui a fait tout le temps il y a longtemps l'a fait comme ça lié non mais ça on peut résoudre bien maintenant non moi-même ça me dit moi-même personnellement pour résoudre là qu'a gagné occasion qu'on y a là pour qu'a résoudre nous t'a bien content dans tout ça qui passe moi pas résoudre pour ça résoudre. Moi-même ça étonné que moi-même personnellement lié étonné là me tendez son avion privé. Ouais, question aviation, pas de mal. Non, mais il est étonné. Ouais, fais mal, question aviation, dans le pays d'Haïti, sont gangliers. Question aviation, dans le pays d'Haïti, sont gangliers. Et on a qui directeur au FNAC, c'est chaque jour la prend pression. Qui est une bonne histoire, mon frère. Gros groupe jeune garçon, entrepreneur, qui sorti dans la diaspora après matin à tout, qui c'est des pilotes. Professionnel qui travaille dans Delta pendant presque 10 à 15 ans, qui débarque en Haïti, qui décide de venir en Haïti pour monter en compagnie, pour monter en ligne aérienne. Yo get tout papier normal net. Et puis, nèg ici décide de bloquer parce que justement, un groupe de monde qui a monopole dans la question aviation dans le pays qui empêche de venir sans cela. Comme d'habitude. Attendez. Nan goumé, il y a chute avec le président Jovenel Moïse. Qui comprennent que nèg sa yo, yo vin servi pays yo. Jovenel Moïse dit monsieur, bay problème la parole le directeur au flanc là, li ba yo autorisation. Yo ba nèg yo on autorisation comme dans dossier, on boit laver, l'autre la ba laver. Parce que justement gon mafia ici dans question aviation, qui a barré la route à des groupes de monde
pour pas exploiter question marché ça madame. C'est yo seulement. Soit passer la question avion, soit avion privé et pour que l'affaire vol commercial là. C'est pas seul avion ça avec Kaoli. Je dis à qui dans situation madame monsieur. Complice avion privé. Comme l'autre avion là, comme l'autre nèg là qui gagne avion privé et puis je dis à qui faire vol commercial madame monsieur. Personne de position femme petit faut que tu as dit bon. Jusqu'à présent, excepté José qui dit que l'Ibé connaît. Même il n'y a personne qui ne propose que pas de connaît. Mais ça veut dire que son jour vous connaît. Vous comprenez ça avec nous? Et puis ça vous fait la bouffette parce que je dis à écouter madame monsieur. C'est pas des cabouilles comme nous. C'est pas cabouilles comme nous. C'est monde qui doit transporter. Qui est famille, qui est petite. Et il n'a pas de aviation. Parce que je ne sais pas que moi, comme je dis, il n'y a aucun nègre qui a un avion. Qui est un avion privé ou bien avion commercial pour ce pilote haïtien. C'est seul comparé comme je là tout à l'heure maintenant tout là où on a volé ouais ou quand ouais gain yo nous met deux pilotes haïtiens là-dedans parce que next yo yo fait 15 ans il a piloté avion pour JetBlue. Qu'est-ce qui est plus facile? Alors nos amis là qui dit il t'a fait réservation dans avion ça déjà il va la Jacmel la donne déjà. Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? Depuis il fait réservation depuis Boston. C'est acheter un avion privé plus facile. OK. C'est le plus facile. Non, quelle différence entre avion? Non, écoutez. Quand des gros avions 4 places, sont que sur 2 places. Non. Acheter un avion 5 places. Acheter un avion privé. Un avion 8 places. Un avion privé lié. C'est pas même brillant. Acheter un avion privé, plus facile que l'heure qu'on y a là, ou pour l'acheter un avion pour faire commercial. Oui, c'est un nombre de places. Donc, puis c'est plus facile. Il y en a qui tout acheté et puis l'affaire qu'on oublie. Eh bien. Parce que c'est non pays côté pas de monde qui est responsable. Eh bien. Parce que n'est-ce qu'il y a. Bah là non. On dit pour n'est-ce qu'il y a il mettait la vie en danger. C'est impossible. En tout cas, maintenant il a que d'attendre parce que là, ouais, par exemple, pilote là. Puis l'autre qui mourra d'abord même, comme s'il n'y a pas d'assurance sur tête. Famille n'a pas levé à terre. Non, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Deuxièmement. Famille n'a pas levé à terre. À qui il est l'assurance accident en fait? Vers 4h. 4h, 4h et demi. Il y a un match. Correct. Hein? Ça veut dire, avion, tu as un temps sur au moins deux voyages. Très bien. Vous comprenez ça veut dire là? Très bien. Avion, tu as un temps sur au moins, au minimum, deux voyages. Donc, négocier. Ok, bon.